Eh bien, salut tout le monde les amis, c'est Presti Gamer, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, ça va nickel. Aujourd'hui, très content de vous retrouver, voilà, donc, plusieurs annonces, comme je vous l'ai dit, en fait, je vous le dis à chaque fois, je vous le redis une dernière fois, voilà, c'est qu'à chaque fois, quand il y a des personnes chez moi, quoi, je peux pas parler trop fort, donc c'est pour ça que dans la vidéo Clash Royale que vous avez vue vendredi dernier, techniquement, si je poste cette vidéo mardi, enfin aujourd'hui, voilà, je parlais pas très fort, voilà, mais quand je suis tout seul chez moi comme ceci, je peux parler assez fort. Et donc là, beaucoup d'annonces, plein de choses à vous dire. Mais bien sûr, on se retrouve pour une vidéo de magie, donc il y aura un petit tour de magie assez spécial, assez marrant, vous allez voir. Donc je vais essayer d'aller très vite. Donc voilà, comme vous le voyez, je filme toujours avec le téléphone. Et j'ai le micro pourtant. Et pourquoi vous entendez une bonne qualité de son? Et bien parce que j'ai enfin, voilà, l'adaptateur, donc vous le verrez. Que je l'ai eu dans un colis dont la vidéo sortira un peu plus tard, voilà, je vais vous parler de ça aussi pendant la vidéo. Donc en fait j'ai aussi acheté un pied, vous savez les pieds qui, voilà, qu'on peut plier les pieds, enfin un trépied qu'on peut plier les pieds, voilà. Et sauf que d'habitude je mets le bout de ma perche selfie sur le pied, voilà, et je mets mon téléphone. Sauf que j'ai cassé le petit bout pour mettre son téléphone, donc la perche selfie n'est pas cassée mais le petit bout est cassé. Ça fait rien, j'en ai un autre, enfin mon frère il en a un parce que vous savez dans le... Le petit bonhomme Stickbot, je sais pas si vous connaissez, voilà, bon, je vais pas vous embêter avec ça. Mais il y a un bout de pied comme ça, donc je le prendrai pour le mettre sur mon pied. Et sinon, je m'en rachèterai un, voilà. Et donc, petite annonce aussi pour vous dire que pendant les vacances, j'ai tourné beaucoup de nouvelles vidéos. Des vidéos que je pensais poster pendant les vacances, puis en fait, j'ai pas eu trop le temps de montage et tout, parce que je me suis vraiment bien marré. Voilà, donc du coup, je vais vous les poster cette semaine. Enfin, quand je dis cette semaine, c'est qu'on va prendre un nouveau rythme de vidéos. Il n'y aura pas, non pas deux vidéos par semaine, mais trois vidéos par semaine. Donc le mardi, vous aurez toujours une vidéo de magie, voilà. Donc à part mardi de la semaine dernière, vous avez eu une vidéo d'un court-métrage. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc la qualité sonore n'était pas top, j'avais pas mis le micro. Mais en même temps, ça c'est un micro, c'est pas un micro de prise de loin, c'est un micro de voilà qu'on doit parler près, donc je pouvais pas l'utiliser. C'était un peu en mode délire, surtout on a fait ça en 2 heures, donc on a écrit, on a tourné en 2 heures, donc c'était vraiment marrant, voilà, je voulais vous le montrer. J'ai demandé à tout le monde, ils étaient tous d'accord, donc d'ailleurs salut à eux s'ils voient cette vidéo. Et donc on va le mardi il y aura la vidéo de magie, le vendredi il y aura une vidéo sur les jeux vidéo, donc ça sera principalement du Clash Royale parce que je sais que vous aimez ça, des pack opening, des concours aussi peut-être, voilà, je sais pas pourquoi j'ai fait cette tête bizarre, mais... Et le dimanche du coup vous aurez une vidéo spéciale, donc à chaque fois ça sera une vidéo divers, mais ça sera... par exemple des ouvertures de colis, des ouvertures de box, donc des ouvertures de box il n'y en a pas pour le moment mais ça va peut-être pas tarder, des ouvertures de colis ça sera dimanche, donc d'ailleurs vous devez en avoir vu une, enfin je sais pas du tout quand je vais poster la première, donc si ça se trouve dimanche qui vient de passer vous aurez déjà une vidéo, ça sera sûrement la vidéo du colis, voilà, comme ça je vous spoilerai pas l'adaptateur, vous le savez déjà. Et donc il y aura le dimanche, une vidéo d'hiver, donc ça sera soit une présentation d'objets high-tech, donc batterie externe, micro, tout ça, soit une ouverture d'un colis de box, comme je vous l'ai dit, soit ça sera sur des jeux, par exemple Lightning Reaction, si on continue la série. J'avais envie de faire des vidéos sur le Flipper aussi, parce que j'aime vraiment ça, je me suis dit qu'en vidéo ça pouvait être marrant, voilà. Et aussi des vidéos sur un jeu de société vraiment très marrant, pas dans le contexte Lightning Reaction, mais un jeu aussi fou que je vous avais déjà parlé, avec des défis en plus assez épiques, voilà, je rigole parce que j'ai pris vraiment du plaisir à tourner ces vidéos, enfin avec tous ceux que je l'ai tourné, on serait vraiment bien marré. Je vais encore en tourner d'ailleurs avec de nouvelles personnes, et j'en ai au moins 5-6 vidéos d'avance à vous poster pour chaque dimanche. Donc voilà, je suis super content, j'ai essayé de faire court, mais aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tour de magie. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai laissé le bras articulé et du coup j'ai le micro sur le téléphone. Donc là il est posé sur mon ordi, et vous voyez aussi là-bas, c'est que j'ai arrangé une armoire, voilà, avec plein de petits objets stylés, voilà, donc d'ici c'est vraiment bien rangé, c'est vraiment bien classé, c'est stylé. Et donc peut-être que des fois je me mettrai là-bas pour qu'on voit un peu le décor derrière moi. Et donc voilà, je vais pas plus parler, la prochaine fois j'utiliserai mon pied comme ce sera encore mieux. Donc là vous verrez pas la table mais c'est pas grave, je vais vous faire le tour, voilà, juste ici. Et moi je vous souhaite un bon visionnage. Ah, une petite dernière chose, je pourrais mettre ça mais comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, quand je le mets ici, le micro est un peu loin donc je dois parler un peu plus fort, voilà. Donc pour l'instant je mets le bras de micro, on verra, dites-moi si vous préférez que je mette ça ou le bras articulé.
Vous me dites ça dans les commentaires. Et moi, en tout cas, je suis super content de vous retrouver. Voilà, c'est la rentrée, c'est le passage au lycée. Voilà, c'est un peu chaud, voilà. Mais vous inquiétez pas, comme j'ai tourné des vidéos d'avance, on garde les vidéos de magie de Clash Royale. Souvent, je les tourne un jour avant, quoi. Mais les vidéos, par contre, du dimanche, là, ils sont déjà tournés. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti. Et voilà, donc on se retrouve ici avec les deux jeux de cartes. Je voulais juste aussi vous dire que je vais peut-être m'acheter le micro Blue Snowball pour pouvoir faire des... Parce que ce micro fait des prises de loin. Après, le problème, c'est qu'il se branche en USB, donc ça va être un peu compliqué. C'est juste parce que j'ai un peu peur que ça vous gêne. Mais ce qui est bien, c'est que dans les vidéos Clash Royale, je peux aussi l'utiliser. Parce que la dernière fois, j'ai oublié. Donc dans celle de vendredi dernier, j'ai oublié, je vous l'ai dit dans la description. Mais en fait, dans les vidéos Clash Royale, maintenant, vous aurez un bon son vu que je mettrai le micro, voilà. Donc vous le verrez pas parce qu'il n'y a pas encore de facecam, mais ça aussi, je vais essayer de régler ça. Parce qu'en fait, il faut que je me filme, mais j'ai pas de smartphone, voilà. Et comme j'ai pas de smartphone, c'est un peu compliqué, voilà. Donc je regarde parce qu'il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un message, voilà. Donc, allez, c'est parti, on va arrêter de parler. Voilà, je vais vous montrer les deux jeux de cartes. Donc pourquoi deux jeux de cartes? Vous allez voir, c'est très amusant. Donc c'est un de mes premiers tours de magie... pas le premier, mais un des premiers que j'ai acheté, voilà, au même marchand à qui j'ai acheté mon premier tour de magie, donc qui est un tour vraiment assez drôle. Donc en fait, je vais vous sortir le premier jeu, vous allez voir ce que c'est. C'est une sorte de petit cinéma, vous allez assister à une séance de cinéma. Et donc là, vous voyez mon petit assistant qui s'appelle Robert, voilà, je vais vous le montrer juste ici. C'est parti, donc pour l'instant, on n'a pas besoin de lui, on a besoin d'un jeu de cartes, voilà, qui est tout neuf, je viens juste de le déballer et je l'ai mélangé un petit peu pour pas avoir bah, tous les... Mais vous voyez, là, il y a encore beaucoup de cœurs ensemble. Donc on va remélanger ça encore un petit peu. Voilà, ce qu'il faut au début, un petit conseil aussi, c'est que quand vous avez... un jeu tout neuf, faut le mélanger un petit peu au mélange américain et tout pour un peu l'abîmer, donc pas l'abîmer mais pour éviter que les cartes glissent trop, voilà, parce que quand les cartes glissent trop c'est un peu agaçant, mais là ah, ça fait plaisir de voir un jeu tout neuf, voilà. Je m'entraîne à les petites figures, regardez, je vais vous montrer. En fait voilà, les cartes glissent trop, mais en fait c'est censé, voilà, faire sauter la carte et après on la rattrape. Je fais ça, voilà, avec plusieurs cartes. Mais c'est pas très grave. Donc je regarde, est-ce qu'on enlève les jokers ou pas? Alors il y en a un ici, on va l'enlever. Est-ce qu'il y en a? Alors normalement il y en a plusieurs parce qu'il y a aussi, voilà, il y en a un ici aussi que je regarde. Tac, tac, tac. Non, il n'y a pas l'air d'en avoir. Normalement il y a les pubs Facebook là. Un petit truc, bon je le vois pas pour l'instant. Donc bon, on va le laisser. Je vais enlever les jokers, voilà, des fois pour des tours j'en ai besoin. Là j'en ai pas besoin. Donc c'est parti, donc une fois qu'on a bien mélangé le jeu de cartes, en fait c'est tout simple. On va demander aux spectateurs de nous dire stop quand il veut. Donc on va imaginer qu'il nous dit stop ici, voilà. Son choix est vraiment libre. Donc là on est tombé sur la dame de carreau, je vais vous le montrer, voilà. Il aurait pu tomber sur le roi de pique ou il aurait pu tomber sur le 4 de cœur, voilà, il est tombé sur la dame de carreau. Donc on laisse la dame de carreau juste ici. Je vous remontre une fois que toutes les cartes étaient bien différentes, voilà. On va remettre les deux petits jokers pour éviter de les perdre. Et on n'a plus besoin de ce jeu là vu que maintenant en fait ce qu'il suffit de faire, c'est qu'il suffit de montrer la dame de carreau à notre assistant Robert, voilà. Donc c'est pas un bon magicien parce que pour deviner la carte, il est obligé de la voir. Donc je lui montre, voilà, c'est bon, tu l'as bien vu? Ok, il m'a dit oui. Voilà, donc la dame de carreau qui est juste ici, je vais la laisser là pour le moment. Et regardez bien ce qui va se passer. Alors ça va être un peu agaçant pour vous montrer, je vais essayer de bien vous le montrer quand même. Regardez le petit film, c'est parti. Alors faut que je vais me mettre comme ça, voilà, normalement ça devrait aller, regardez bien. Il va aller dans son coffre. Je regarde en même temps si on voit bien. Et il va chercher une carte. Et je sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais regardez, je vais vous le repasser une fois en essayant de m'arrêter à la fin. En gros, il va dans son coffre. Voilà, là c'est un peu mieux. Et il sort une carte. Et si on regarde la carte, dame de carreau, voilà, Q de carreau, c'est bien la dame de carreau. Donc voilà. Il est allé chercher une seule carte dans son coffre, c'est la carte que le spectateur a choisie, c'est vraiment génial. Et voilà, j'espère que vous appréciez ce petit tour de magie. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tour de magie t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne pour voir toutes les prochaines vidéos. Donc quand je dis que je tourne les vidéos de magie à la dernière minute, là je la tourne une semaine à l'avance. Pourquoi? Parce que je voulais tester la qualité du micro, voilà, je voulais tester un peu l'adaptateur et tout, puis j'avais envie de faire une petite vidéo, voilà, parce qu'après j'avais un peu de boulot quand même. Donc c'est pour ça, j'espère que ça vous a plu, j'espère que le fait que j'ai acheté du matériel pour améliorer la qualité audio vous plaise. La prochaine étape c'est d'acheter les softbox, ou je sais plus parler, les softbox, voilà, je vais essayer d'en trouver, voilà.
Enfin, on peut en trouver partout, mais je veux dire, je vais en trouver des bonnes à un bon prix, voilà. Donc, moi, je vous dis à bientôt. Bah, du coup, à vendredi pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, c'était PrestiGamer. Et petite surprise vendredi, salut à tous.